les zones là. Et puis on t'entend des magistrats là maintenant, on t'entend madame Whitlin Pierre matin dans radio et de Port-au-Prince. Et moi-même par rapport à ça me connaît topographie, on va l'expliquer mon yo. Frontière nous gagne Haïti République Dominicaine, en Haïti, il y aurait ça une frontière ligne. Ça veut dire une frontière ligne, ça veut dire que c'est comme sous traçon ligne invisible à terre, c'est lui qui fait frontière entre la République Dominicaine et Haïti. Ligne ça, il fait depuis 1929 notre délimitation frontière là. Et pour autre qu'on est côté Haïti et côté République Dominicaine, nous deux pays ont installé depuis date ça, ça crée des bonnes frontières. Bonnes qui commencent depuis la bonne 1 pour arriver jusqu'à bonne 311, je crois, du côté dans le sud d'Haïti. C'est juste pour montrer que nous-mêmes en Haïti, nous-mêmes dans le département nord-est là, c'est nous qui les premiers bonnes. Et si donc ça a passé dans la bonne 12 et particulièrement dans la bonne 13, je vais dire aux auditeurs pour comprendre ce qui a passé. La côté n'a fait canal là, n'a fait sous la rivière Massac bon côté haïtien. Mais côté la rivière haïtien là, et à droite et sous rive droite et sous rive gauche, il passait entièrement sous territoire pays d'Haïti. Côté n'a fait canal là, ça qui fait frontière entre nous-mêmes et Haïti, c'est par la rivière, frontière faite à terre. Ça veut dire que son frontière terrestre, c'est notre terre là, c'est notre sol là, pays. C'est terre yo qui yo divisé. Qu'on y a gagné, ça crée les bonnes. Bonnes 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et si on suit toutes bonnes, c'est eux qui font frontière là. Si bon ici de bonnes, du côté Haïti, en Haïti, c'est pour traverser bonnes du côté de la République Dominicaine. Le problème qui posé hier là, il posait premièrement par rapport à une confusion. Qui ça lié? République Dominicaine, gagné, il a construit un mur sur la frontière là. Nous comptons ça, nous connaissons ça, fait scandale. Et en fait, c'est le même problème qui a gagné. Nous avons l'État qui est absent. Pendant que la République Dominicaine a monté Mioni, ou pas la présence de l'État pour qu'il garde est-ce que Mioni a monté vraiment sur la frontière. Bon, ça, c'est notre problématique. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ce qui passe, c'est que Dominicains, les a monté Mioni, ils ont monté Mioni pas directement sur la bonne frontière, là, non? Ou soit, ils n'ont pas de bonne frontière là. Ils ont quitté, disons, entre 3 à 5 mètres. Entre bonne frontière là et côté où fait Mouna. Ça dit où fait Mouna à l'intérieur du territoire, yo, yo quitté yon espace libre, nous avons dit no man's land, entre Mouna et bonne. Mais qui s'est passé? Dominicain, yo, bon, yo considéré et c'est ça lié. Parce que de bonne bonne, sous boy ici bonne en Haïti, immédiatement qu'on jambé bonne, ou pas Haïti encore. Yo même qui s'est offert, entre bonne avec Mionan, espace qui te a, son espace toujours fait patrouille la donne. Il y a des Haïtiens qui disent zone ça, c'est une zone neutre. En droit international, ce n'est pas ça qui est une zone neutre. Pour gagner une zone neutre, il faut gagner un accord entre deux pays qui t'a déclaré zone ça, c'est une zone neutre. Et d'ailleurs, qui ont fait zone neutre, une zone neutre, c'est une zone qui est démilitarisée. Si militaires dominicains ont monté descend dans le corridor ça a quitté, ils n'ont pas considéré comme une zone neutre parce que en fait il y a l'intérieur de Bonnyou. Et ensuite, qui ont créé une zone neutre, la plupart du temps l'ordre de zone neutre qui est en droit humanitaire international, côté que quand il y a une guerre, il y a un problème entre deux peuples, eh bien, tu peux déclarer telle zone, c'est zone neutre, côté que pas bien la guerre là-dedans, pas bien goûter là-dedans, il y a voyé. Et civil, il y a mettez monde qui blessé pour traiter, c'est que là son zone qui neutre. Ah, nous parlons de zone neutre parce que juridiquement, pas qu'à dire zone neutre, c'est un accord entre les deux parties. Ok. Mettre fleur. Soit dit tellement important. M'a regardé une image qui est bon, bonne, qui peinturé en jaune, qui écrit R.D. 249-1929, et puis. Mur là, la distance au bailien en 3 à 5 mètres avec Bonsa. Ça veut dire Bonsa li en dedans la caille République Dominicaine. Oui. Voilà. Qui côté exactement mur là t'a droit placer pour moun yo comprendre ça? Très bien. Excusez-moi, vous pouvez reprendre question moi s'il vous plaît. Mais dire que gagnon bonne qui peinturé en jaune qui marqué R.D.
249, 1929. Et j'en t'ai expliqué tout à l'heure, bon distance entre 3 à 5 mètres que yo construit mur là, ça veut dire côté Bonnaya li en dans République, li nan partie territoire et République Dominicaine. Selon norme yo, qui côté t'a supposé construire mur là? Bon, selon norme yo, qui pas obligation parce que mon yo on confuse mais nous fait entre droit national, droit interne non, et droit international. Parce que nous pensons que si nous font mur, par exemple, nous quitter toute sacrée derrière, par exemple mon voisin on fait un mur à l'intérieur, terme, tout ça me quitte dehors, c'est pour voisin. C'est pas comme ça, il y a un droit international. Parce qu'en droit international, c'est pas un mur là, qui marque et qui fait différence, qui dit que mes côtés, mes républiques dominicaines, mais Haïti, c'est pas le mur qui fait la frontière. Ça qui fait la frontière, ce sont les bornes qui font la frontière. C'est confusion, ça gagne. C'est pas le mur qui fait la frontière, ce sont les bornes qui font la frontière. Ça dit que, et ma borne, on a côté canal là hier, canal là disons presque à peut-être pour 300 en 200 à 300 mètres de mur et de bonne là, eh bien c'est tout en ouest dominicain yo à monter descendre là. Confusion qui vient arriver là. On pensait que nos provocations nous prend la donne, que le peuple là va nous prendre la donne. Peuple là doit continuer travailler normalement. Dominique c'est normal, nous même la travail, nous même ça on vient nous faire un militariser des frontières là. C'est qu'il y a un acte hostile qui est inacceptable. Et deuxièmement, corridor qui est quitté entre Bonne et Murnan, c'est comme si son corridor est patrouillé là-dedans. C'est que le monde, nous avons et Mme Ridinbier, qui est porte-parole du comité, c'est que le monde est dominicain a patrouillé dans le corridor ça, entre Bonne et Murnan, nous sommes indignés parce que pour la population, côté dominicain, c'est vraiment sur le territoire national. Mais l'on regarde des photos, l'on regarde des vidéos, on voit que Dominique est devant nous, mais il n'y a pas l'autre bord et nous avons dit bonne. Et je pense que c'est une provocation ça, pour ne pas prendre. Parce que nous avons crié, si il n'y a pas de barrette, ou à côté de nous, il y a supposé retirer, il n'y a pas de patrouille, nous-mêmes, nous restons dans le territoire par nous, notre travail, nous ne prenons pas provocation. Même comme je vous le dis, Ismaël, ni Sony. Nous, quand ça passe la crise là, sa crise là, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'absence de l'État haïtien. Tout ça encore, c'est abandon de l'État haïtien. Pourquoi ça me dit ça? Agent Bessapio, qui sous site là, monsieur Saos, il n'y a pas de qu'une formation pour la frontière. C'est des gens que moi me félicite et me remercie, qui font un gros travail de maintien de l'autre là, mais cependant, ce sont des agents environnementaux. Lors de frontières, qui s'est gardé la frontière? C'est l'armée. Parce que où est l'armée d'Haïti qui l'a? L'armée d'Haïti a la mémoire de la frontière. Parce que l'armée d'Haïti est là, où est tout point frontalier, tout bon ça, eh bien, sous chaque 4 ou 5 kilomètres, l'armée d'Haïti est gagnée, il y a une petite caserne. Côté que tu mets des militaires, militaires t'as patrouillé là. Et là, ça, militaires t'as connu que mes bonnes. Bonnan, c'est limite pays d'Haïti. Et m'bon ça comme garantie, si t'es que des militaires dominicains ont pas réagi avec autant de violence, pointer les armes, etc., en direction d'Haïti. Et m'dit, mal et plus loin, si tout ça a passé là, c'est parce qu'il y a eu cette réaction hostile, inamicale, non nécessaire du président Abinader. Parce que nous n'avons pas qu'à continuer dans un conflit, et puis vous premier sortez, vous voyez militaire venir sous frontière là. Militaire, c'est comme si vous mettez en pré-guerre. Moi-même, je pense que ça qui passe là, c'est l'attitude dominicaine, c'est l'attitude du gouvernement dominicain qui fait arriver là.